J'ai eu le plaisir de faire toute une tournée d'été pendant 56 jours avec lui, alors j'ai pu bien l'observer. Je vais essayer de vous rapporter ici comment ça se passe sur scène avec lui. C'est Claude François. Avec mes projecteurs et avec mes amplis, ma guitare électrique et l'orgue et la batterie, je sais plus, un tour de chant, c'est un vrai chantier que je dois diriger. Quand le projecteur s'allume, l'ampli s'éteint, je le mets sur du 110 quand c'est du 220. Le monde s'occupe de rien, je m'occupe de tout, je suis à bout. Les dermas dans la cave, je me démène comme un sauvage. Pourtant je ne suis pas aussi nerveux qu'on le prétend. Je me démène comme un sauvage, car je crains à chaque instant la panne de courant. Parce que mes techniciens ne sont jamais prêts, moi je les cherche avant et ils me courent après. Quand le rideau s'ouvre, je suis encore perdu dans les décors. Et j'entends le public qui cherche Clo-Clo, pendant que sur la scène je cherche le micro. Comme je l'ai dans les mains, je ne le trouve pas. Et c'est comme ça, les Claudettes, oh, le sage-toi. Je me démène comme un sauvage, pourtant je ne suis pas aussi nerveux qu'on le prétend. Je me démène comme un sauvage, je crains chaque instant la panne de courant. Je me démène comme un sauvage.